Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de parler de recrutement et de ce que peuvent nous enseigner les neurosciences pour améliorer le recrutement. Il faut savoir qu'aujourd'hui les neurosciences nous expliquent que le cerveau, voulant fonctionner de façon rapide, aura tendance à prendre des raccourcis. On appelle cela les biais cognitifs. Ils sont biais cognitifs parce que ces raccourcis sont souvent trompeurs. Donc à force de vouloir faire vite, il va commettre des erreurs. Et c'est ce qui nous arrive lors de nos recrutements, lors de l'entretien d'embauche. Le premier biais cognitif dont j'aimerais vous parler est l'effet Dunning-Kruger. C'est quoi? C'est tout simplement, on a remarqué chez les personnes qui étaient non compétentes qu'elles avaient tendance à se surévaluer. Réfléchissez bien, la personne qui est en face de vous et qui se présente comme étant très compétente, l'est-elle vraiment? Essayez de la mettre en situation à travers vos questions pour vérifier ce qu'elle est en train de dire. Le deuxième biais dont j'aimerais vous parler est l'effet de halo. Ça veut dire quoi? Ben c'est souvent la première impression. L'effet de halo nous montre que nous avons tendance à nous faire une idée sur la personne en fonction, eh bien, du premier contact. Ça veut dire que si j'arrive, moi, en entreprise pour une formation, alors que je porte des tongs et un short, on ne se dira jamais c'est une formatrice. Limite, quand ils sauront que je suis la formatrice, ils vont se dire: cette personne nous manque de respect. Nous avons tendance à nous fier à cette première impression. C'est un véritable piège pour vous en tant que recruteur. Essayez d'éviter de rester sur cette impression. Pour cela, je vous conseille par exemple de mettre en place une grille d'évaluation que vous allez régler dès le départ pour éviter réellement que cette première impression ait un effet sur vous. Ce n'est pas parce que cette personne semble mal se tenir, ne parle pas comme vous le souhaiteriez, qu'elle n'est pas forcément compétente. Troisième biais, c'est le biais de confirmation. Nous avons tendance, nous, êtres humains, à vouloir à tout prix retenir tout ce qui confirme la première chose qu'on pensait. Je vous donne un exemple. Si je dis, par exemple, qu'aujourd'hui, il fait chaud, eh bien, je vais avoir tendance à ne retenir que les informations qui le prouvent. Il y a du soleil, il y a des personnes en t-shirt, et je ne vais pas voir que, par exemple, bah, j'ai également croisé des personnes qui portaient des vestes. Nous avons tendance à ne retenir que les choses qui confirment ce qu'on pense. Donc, on fait très attention également, on essaie de tout noter, on essaie de donner des questions ouvertes pour éviter de faire tomber cette personne dans la confirmation de ce qu'on pensait dès le départ. Vous allez voir qu'en essayant d'éviter ces biais ou bien en profitant, vous allez vraiment améliorer la qualité de vos recrutements.